Allez, bonjour les scorpions, c'est à vous. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de ce mois de novembre 2024. Joyeux anniversaire au passage. Vous avez vu hein, sur votre vignette YouTube, là, je vous ai mis un petit gâteau hein, pour vous. Je suis nulle. Hein. Alors, ceux qui ne me connaissent pas, c'est une chaîne spirituelle ouverte d'esprit, aucun jugement de valeur. Vos croyances vous appartiennent, vous avez le droit de croire en ce que vous voulez tant que c'est bon pour vous et que ça ne fait de mal ni à vous ni aux autres. Voilà. On est d'accord. Pour en revenir aux cartes, ce n'est qu'un révélateur d'inconscient. Il y a des énergies, il y a de l'intuition. Oui, c'est les miennes, elles m'appartiennent, mais je projette peut-être, donc raison gardée. Vous ne prenez pas ça comme argent comptant avant d'aller signer chez le notaire ou changer de métier et dire à votre boss que c'est un con et partir. Hein. On ne prend jamais de décision suite à un divertissement. Hein. On est d'accord. C'est un mois compliqué. Et pour pas vous en mettre 3 minutes d'intro là avant de passer à l'essentiel, je vous ai préparé, vous allez le voir à droite ou à gauche, je ne sais pas encore, je n'ai pas fait mon plan, hein, je n'ai pas fini mon montage. Mais je vais vous mettre des mots-clés qui doivent normalement résonner au regard des énergies de novembre pour tous les signes. J'ai travaillé un peu de manière énergétique, hein, je fais mes petits rituels à moi, voilà, ils m'appartiennent. Et si vous y retrouvez des mots-clés qui vous tiltent, c'est que c'est OK, quoi. Allez voir sinon le signe ascendant et lunaire, pardon. Vénusien aussi, si vous êtes un petit peu néophyte et que vous aimez l'astrologie, etc., allez-y. La numérologie, l'astrologie, cette spiritualité un petit peu qui est remplie de beaucoup, beaucoup, c'est du chamboule-tout là-dedans. Donc surtout, vous prenez bien vos distances, vous faites preuve de discernement, bien évidemment. Les scorpions, 1er novembre, c'est la Toussaint et ben, cette nouvelle lune, pardon, elle est chez vous en scorpion. Donc on va mettre en lumière. Les scorpions, quelque chose d'assez, soit illusion, soit on sort des désillusions. Vous allez faire sûrement des prises de conscience, je ne sais pas encore comment et pourquoi, mais le scorpion, sa planète, c'est Pluton. Pluton, c'est je détruis, je reconstruis, je fous le bordel, je passe à autre chose. Symboliquement, c'est la mort, la transformation. Mais Pluton, avant qu'elle s'appelle Pluton, hein, pour un peu de vraie science, hein, c'était Mars. D'accord? C'était Mars, l'action, le feu, comme le bélier. Le bélier dit je suis. La devise du scorpion, c'est nous avons. Nous avons. Ok? Nous avons quoi? Ben, c'est un peu le côté autoritaire, patriarcat, beaucoup de charisme chez les scorpions, femmes ou hommes. Hein, ambitieux, obstinés, travailleurs, persévérants, créatifs, indépendants, magnétiques, charismatiques, c'est évident. Mais il peut être aussi, quand il est mal inspecté, hein, ou quand il ne va pas bien, il peut être têtu, chiant, angoissé, tyrannique, pervers, critique, cruel, méchant, dur, jaloux. Oui, il y a du bon et du mauvais en chacun de nous. Et il y a des moments où c'est OK, on en fait de belles choses, et puis il y a des moments où c'est un peu perturbant. Ce n'est pas un signe astrologique qui définit la personne que vous êtes, c'est votre capacité à apprendre ces archétypes de ce signe et de transformer, d'évoluer avec le temps, comme la nature, les animaux, l'espèce humaine, elle ne déroge pas à la règle, elle évolue. Hein. Qu'on le veuille ou non, on vieillit. Hein. OK? Vous avez compris le message. Allez, scorpion, on y va. Je ne voulais pas faire des vidéos trop longues ce mois-ci. Je n'ai pas réussi à faire moins de 30 minutes pour chacun de vos copains avant vous. Et croyez-moi, il y a du lourd. Hein. Donc, si vous êtes signe d'eau, scorpion, mais si vous êtes signe signe de quoi j'ai dit? Signe d'air ou signe de feu en ascendant ou en lune, ça va dépoter quand même. Il hein. Faut pas se leurrer. Hein. Énergie pour le scorpion, novembre 2024. 10 de denier. Ah, c'est pas dégueu ça. Alors. Le 10 de denier, le denier, c'est taureau, vierge, capricorne. C'est la terre, c'est l'ancrage, c'est la matérialité, la possessivité, possessivité. Vous avez vu? Mes lapsus sont souvent révélateurs, donc allez-y, prenez si ça vous parle. Le 10 de denier, c'est un aboutissement d'efforts, c'est la ruée vers le château. On est rempli de pièces d'or, donc soit vous allez gagner au loto. Elles sont crétines, mes prédictions. Tout le monde, tous les scorpions du monde ne vont pas gagner au loto. Je vous le souhaite, hein. Si c'est vraiment ce que vous voulez, faites des probabilités, faites des stats, faites des maths et faites vos numéros. Hein, ça peut marcher. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le 10 de denier, il représente l'aboutissement d'efforts, l'aboutissement d'investissements, l'aboutissement financier, matérialité. Le travail, hein, ça paye. Le travail, ça paye. Ben, le travail, il aura payé. Si vous avez fait le job, l'univers vous rendra le job. Vous avez bossé, vous avez été
Vous avez réussi vos études, vous aurez votre diplôme. Vous avez candidaté, vous avez bossé à fond sur votre entretien, vous aurez le job. Vous avez, je sais pas moi, voulu rencontrer vraiment quelqu'un de bien, vous avez bossé sur vous et c'est de manière libre et honnête que vous arrivez devant quelqu'un, ça matchera. Que la personne en face, après, elle veuille ou pas être avec vous, ça ne vous appartient pas. Donc, on ne contrôle pas ce genre de choses. Hein. Mais là, il y a un rendu. Il y a un rendu matériel. Donc, du pognon. Une offre de job, vous le mettez à votre sauce, hein, d'accord? Mais c'est pas dégueu, hein? C'est pas dégueu, hein? On est bien là! Scorpion, vous méritiez, hein? Vous aviez quoi le mois dernier pour vous? Ça fait quelques mois que vous trinquez, vous. Du passé, vous renaîtrez, avec un 3 de coupe. Mais vous renaîtrez, voilà. Mort, symbolique, renaissance. Et vous renaissez, vous revenez de loin, vous. Certains scorpions reviennent de très loin. Ils en ont mangé des couleuvres avant que ça passe. Regardez, punaise, la classe à Dallas. Vous arrivez avec la roue de fortune. Ça y est, là. La roue du destin, quoi. Ça y est, vous avez mis de l'huile. Mets de l'huile, petit homme. Dans la vie, faut que ça glisse. Bah, si vous n'êtes pas sudiste, vous ne pouvez pas comprendre la chanson. Ou alors, vous êtes vraiment des érudits de la musique contemporaine. Ouais, ça a été trop lourd, les autres. J'avais besoin de légèreté. Alors, pour votre anniversaire, je vous offre la roue du destin. Allez, éclatez-vous les scorpions. On va aller voir, vous avez l'exclusivité aujourd'hui de voir un beau tarot que je n'ai pas trouvé en France. Je l'ai enfin trouvé, je le voulais, je l'ai eu, je vous le présente tout à l'heure. Et pour les coquinous et coquinettes qui veulent rencontrer Brandon ou Brenda, vous avez le tirage sentimental à la fin du tirage. Blague à part, vous arrivez avec la roue de fortune, vous avez su tirer votre épingle du jeu, vous avez fait tourner la roue, vous avez mis de l'huile, ça y est, les rouages reprennent leur marche, on dirait le moulin, vous savez, les moulins à vent, des fois ça grince, ça dégueule, ben ça y est, là, ça repart, vous avez mis, je sais pas moi, vous avez mis de l'huile, vous avez fait les efforts, bref, ça y est, ça paye. Eh, ça paye. Reconnaissance, notoriété, argent, offre d'emploi, je ne vais pas reprendre mes exemples, vous l'adaptez à ce que vous vivez, hein. C'est génial. Le défi! Oh punaise, punaise, 3 de denier. Ah non, c'est le 3 de coupe que vous aviez le mois dernier. 3 de coupe, 3 de coupe. Ok, le défi, c'est le 3 de denier. Bon, mais c'est pas fini encore, hein. Il va falloir bosser et cravacher. Bon, alors est-ce que vous donnez pas trop à quelqu'un ou à quelque chose et que vous n'en tirez pas vraiment les fruits? Le défi, c'est d'accepter que ça n'arrive pas tout de suite comme vous voulez. Vous pensiez avoir gagné, je sais pas moi, 4-0 au loto, ben, il n'y en a que 2 ou il n'y en a que 3. C'est un bon début, continue de jouer. C'est à force de jouer, c'est à force de forger qu'on devient forgeron. Le défi, ça va être d'accepter que ce soit pénible, que c'est été dur, qu'il ne faut pas lâcher. C'est simplement de l'accompagnement, ce que je fais, hein, c'est du coaching. Hein. Je mets mes efforts au bon endroit, de manière stratégique, au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, et ça paiera. Le défi, ça va être d'accepter que ce ne soit pas encore compliqué. Enfin, que ce soit pas, que ce soit, pardon, mais je n'arrive pas à parler, que ce soit encore compliqué. Le défi, ça va être aussi d'accepter l'association. Ça veut dire que vous êtes peut-être sur une activité ou sur un projet où vous êtes nombreux. Vous n'avez pas le bénéfice de l'exclusivité. Alors ça, je prends un exemple. Vous êtes commercial et vous, je sais pas moi, vous vendez des maisons. Vous êtes dans l'immobilier, vous vendez des maisons. On est d'accord que c'est pas vous, Monsieur X ou Madame Y, qui avez le monopole des biens sur le marché. Que ce soit en rentrée de mandat ou en sortie de mandat. Vous n'avez pas le monopole, on est d'accord. Donc il va falloir ben, vous différencier par votre charisme, par votre pugnacité, par votre travail, par vos connaissances, par votre formation continue. Il va falloir, le défi, ça va être de cravacher parce que vous n'êtes pas seul sur le projet. Et donc il va falloir se démarquer des autres. À vous d'être créatif. Ok, l'aide qui vient à vous, et ça peut concerner tous les domaines, hein, d'accord? L'aide qui vient à vous, alors l'aide, vous l'appelez comme vous voulez. Invisible, visible, vous savez qu'on est en période, alors au-delà d'Halloween, hein, j'aime pas, voilà, c'est surtout les énergies de Samhain, hein, quand on a en fonction de vos croyances, hein, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que je veux qu'on reste hyper neutre sur ma chaîne, mais. C'est le voile est léger, le voile est léger entre le visible et l'invisible. Si vous avez une sensibilité énergétique au regard des morts, la mort fait partie de la vie, hein, c'est le jeu, c'est comme ça. Après, on s'intéresse ou pas à la mort, c'est autre chose. Après, on en fait son métier, pourquoi pas. Tout le monde a un rapport avec la mort qui est différent, qui est personnel, d'accord? Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Beaucoup de scorpions, hein, ont une sensibilité, ont une capacité,
On a tous des capacités, hein. Mais vous avez une capacité, si vous le souhaitez, à peut-être être près de ce monde-là. Soit c'est accepté, soit c'est complètement refoulé, soit c'est pas envie, mais on s'en fout de tout ça, on n'y croit pas, et vous avez le droit. Mais ça veut dire qu'il va falloir s'associer à des personnes pour comprendre comment ça marche. Il va falloir aussi changer de paradigme et accepter peut-être d'avoir des dons. Vous les travaillez, ça devient un talent. Vous les laissez en l'état, c'est OK. Allez, l'aide qui vient à vous, donc elle est visible ou invisible et elle sera le 10 de bâton. Bah ouais. Alors ça vient en aide alors qu'elle est compliquée cette carte. Moi j'aime bien comme ça ce côté, c'est très ambivalent, c'est très, voilà, c'est le contre-pied là. On vous dit en gros, sois fatigué, va jusqu'au bout. L'aide qui vient à vous, c'est le courage, c'est la ténacité que vous possédez déjà en vous. Vous n'êtes pas des gens qui lâchez le morceau comme ça, vous allez au bout des choses. Vous avez un petit peu de Saturne, un petit peu du Capricorne peut-être, ou alors ça fait partie de vos signes dans votre thème. Le 10 de bâton, on te dit ne lâche rien. Ne lâche rien, la pierre à l'édifice, c'est pas facile de la monter, mais tu as hyper bossé, tu as hyper compris. Beaucoup de bleu, de turquoise, donc ce côté mercurien un petit peu allégé. Intelligence, capacité de réfléchir, d'analyse. On vous dit qu'il faut encore faire des efforts. Et l'aide qui vient à vous, c'est que on vous aide. L'univers dégage des petites choses qui vous embêtent au quotidien pour que vous puissiez aller au bout de quelque chose. Alors, je ne sais pas, on va vous dégager du temps. Et ce temps-là, vous allez le mettre à profit pour avoir des connaissances. L'univers, en fait, il est à côté de vous et il vous dit, allez, lâche pas. En fait, c'est le coach, l'univers, c'est le coach, quoi. Votre coach personnel, c'est Saint-Rémy, Saint-Jacques, Sainte-Rita, si vous croyez, voilà, Michael, Gabriel, Azraël, non pas le chat de Gargamel. Si vous croyez aux anges, aux archanges, tout ce paradis-là, si vous y croyez. Mais on vous dit qu'ils ont vu hein, vos efforts, ils savent à quel point vous bossez. Et vous allez voir que les petits signes de la vie vont se mettre sur votre chemin pour comprendre. Alors moi j'aime bien, vous savez, moi j'aime bien quand on dit qu'apparemment les anges, ils nous font des signes avec des petites pièces de monnaie qu'on trouve, avec des plumes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On y met ce qu'on veut dans ses croyances. Eh ben, moi ça m'arrive, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps de voir, c'était improbable qu'il y ait une pièce dans cet endroit-là. Eh ben, j'ai trouvé une pièce et en fait je me suis dit, oh, allez, un petit ange s'appelle à moi aujourd'hui et j'ai passé une super journée, il s'est rien passé de spécial, mais ma journée je l'ai sentie douce en moi, je l'ai sentie apaisante. Et vous voyez, ça tient à rien hein, les croyances. Hein. Mais ça m'a fait du bien au moral et je me suis dit, bah voilà, c'est une journée pour moi, je vais rien faire, je vais me reposer, j'ai besoin. Et puis tout s'est enclenché pour qu'on me foute la paix. Mon téléphone, comme par hasard, la batterie s'est arrêtée. J'ai eu plein de petits trucs dans la journée où on m'a foutu la paix, quoi. Et ça faisait un bien fou. Vous voyez mon exemple, il est là. Vous me direz dans les commentaires, hein, si vous avez envie d'échanger avec moi, vous me direz si je suis. Si vous le sentez, tout ça, mais en tout cas en novembre, c'est ça qui arrive. Hein. Et c'est marrant parce qu'avec une énergie de 10 de denier, il y a des efforts, il y a la roue qui tourne, il y a la créativité ou l'association et le côté pécunier, il n'est pas encore là, visible, mais voilà. Et maintenant, comment on finit le mois? Comment on finit le mois? Oh, toi, tu voulais venir. Le pape. Génial. Dos de deck. Le 2 d'épée. Je tranche. Je prends une direction intellectuelle. Je mets mes pensées au bon endroit. Je fais confiance en mon esprit, je fais confiance en mon intuition. J'ai les yeux bandés. Je vous donne juste la phrase qui est sortie et que j'ai dû vous mettre dans les mots là-haut. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est Antoine de Saint-Exupéry, avec le Petit Prince, hein, qui a dit ça. Et je peux vous assurer que ça prend toute sa splendeur en ce mois d'anniversaire, les Scorpions. Je reviens au tirage. Le pape. Le pape, c'est l'arcane 5 majeur du tarot. 5 changements. Hein. Le pape, c'est l'apprenti. Non, pardon. Le pape, il a appris. C'est vous les apprentis. Hein. Vous êtes des apprentis sorciers, sorcières. Ouais, vous êtes mignons. Alors, je ne sais pas pourquoi, je sens beaucoup de naïveté. Mais naïveté, pas péjorative. Hein. Beaucoup de pureté, de naïveté. Et vous ne savez même pas que vous êtes des anges terrestres pour certains. Je sais que ça peut paraître très déraisonnable de dire ça quand on se veut neutre et la plus prudente possible dans les croyances des gens,
mais j'avais envie de vous le dire, ben je me lâche, je le dis. Vous finissez comme un pape, vous avez la connaissance, vous avez l'expérience. Le pape, c'est la sagesse infinie qui a appris dans les livres bibliques, les livres religieux, spirituels, philosophiques, psychologiques, intellectuels. Vous avez acquis beaucoup de connaissances, vous avez beaucoup de savoir. Vous êtes un sachant, une sachante. Je vais vous donner un exemple. Quand on est un thérapeute enregistré hein, avec l'État, hein, d'accord, pas une formation en 3 jours, hein, quand on a fait des études en psychologie, etc., etc., et on accompagne la souffrance humaine. Dans ces métiers d'accompagnement, le psychologue, le psychiatre, le psychothérapeute, qu'est-ce qu'il a de plus que le patient? C'est un humain comme lui qui vit les mêmes choses, hein, d'accord? Le psychologue, il fait caca, il va chercher ses gosses à l'école, il klaxonne et il gueule, il n'y a pas de problème, hein. La seule chose qui différencie le psychologue du sujet, de la personne, pardon, c'est la connaissance et la capacité à s'interroger plus vite que pendant qu'il écoute le patient et savoir de quoi émettre un diagnostic. Le médecin, il a fait 15 ans d'études minimum, il en sait plus sur vous que vous, sur le corps humain, les cellules, les maladies, etc. Je parle du psychologue, mais je ne sais pas pourquoi, parce que les scorpions ont une capacité à être psychologues, parce qu'ils s'interrogent beaucoup. Le pape, c'est un sachant. Il est humble, hein, pour autant, hein, il n'en met pas plein la gueule aux autres, hein, comme quoi il sait. Hein. Il sait, c'est tout. Et il ne se bat pas avec les gens. C'est comme quand. Je vous donne plein d'exemples, hein, vous avez vu, hein, j'essaie d'être la plus populaire possible dans mes exemples. C'est comme quand quelqu'un vous dit, mais non, j'ai raison, c'est comme ça, c'est comme ça. Soit vous vous battez contre ce genre de personnes pour leur faire entendre qu'ils sont cons et ce qu'ils disent, c'est faux. Soit vous faites comme le pape, oui, tu as raison. Ça calme. Oui, tu as raison, ça veut dire raison de ta connerie. Moi, je perds pas de temps avec des gens comme toi. Tu m'intéresses pas. Et puis, je vais pas aller me battre contre ça. Vous avez une énergie à mettre ailleurs qu'en face de personnes têtues, butées et qui pensent savoir tout sur tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est fort, hein? C'est fort, c'est puissant, ça calme direct. Et c'est ça le charisme. C'est avoir la capacité de savoir. De ressentir ce qu'on a en face de nous et savoir si c'est bon ou pas pour nous. Comme les gens qui ont des capacités à rentrer dans des endroits et à ressentir d'un point de vue énergétique si les énergies sont bonnes ou pas bonnes dans ces maisons. Je parle de géobiologie, peut-être de médium, je ne sais pas, mais cette capacité, vous l'avez certains d'entre vous. Elle est travaillée ou pas du tout conscientisée, et c'est OK. Et ben là, c'est pareil. Quand il y a en face de vous des gens, au premier abord, vous sentez si ça va matcher ou pas. Et souvent, vous êtes dans le vrai, hein. Même si des fois vous faites des efforts en disant, allez, je la connais pas, pourquoi je la juge cette personne, bah, il y a un moment dans la relation où vous allez voir que vous aviez raison de penser qu'elle n'était pas faite pour être avec vous, cette personne. Et bien là, c'est pareil. Il y a un truc là, vous le sentez. OK? On va aller mettre une carte des dieux grecs que j'affectionne par-dessus tout, le symbole homme. On va voir s'il nous envoie une énergie similaire, si on est dans, on va les vérifier, si on est vraiment dans le vrai, donc on va faire les sachants, nous aussi, on va se munir d'outils pour savoir si ce qu'on évoque depuis tout à l'heure est raisonnable ou pas. La Belle au bois dormant, 23 la carte, 3 et 2, 5, encore le changement, hein, d'accord? Alors je prends mon livret parce que moi, très clairement, je suis une buse avec le symbole homme, je ne maîtrise pas tout. Cancer, poisson, comme vous, hein, Lune et Neptune, voilà, le poisson. Intuition, sensation, perception. Le rêve, le désir, celle qui doit encore naître, hein. L'âme disparue, l'intuition, la femme au royaume de l'oubli, l'attente. Alors cette carte, elle nous. Pardon. La Belle au bois dormant, cancer, poisson, c'est l'affectivité, le féminin sacré, c'est l'art, c'est le savoir. Je vous donne le bout du chemin, la dernière. Tu découvres qu'il existe à côté du monde visible un univers bien plus profond mais invisible, celui-là, pour lequel tu trouveras un guide. Ce guide s'appelle l'intuition. Elle te montrera les merveilles de l'objectivité et te fera oublier ta solitude. Eh, on n'est pas dedans là, sérieux? Ça s'appelle du hasard. Einstein, qui était un grand scientifique, vous savez qui était Albert, disait. Et ça, c'était drôle pour un scientifique, hein, qui lui ne s'en référait qu'à des calculs, des mathématiques, etc. Il disait, il n'y a pas de hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. C'est marrant parce qu'un scientifique très axé sur le résultat, les probabilités, les faits, les stats, il avait des croyances.
Ils croyaient en quelque chose d'invisible, Dieu en l'occurrence. Comme quoi, tout est possible. Le champ des possibles est ouvert. Mais vous avez vu, je vous parle encore d'intuition, ça sort. Et c'est la ruée vers l'or. Hein. Peut-être, alors je ne dis pas tout le monde, hein, raison gardée. Peut-être qu'il y a des gens ici qui me regardent et qui, parmi vous, n'osent pas passer le pas, mais ils le savent, qu'ils ont quelque chose avec l'invisible. Faites confiance dans le noir, faites confiance à l'invisible. Tout est programmé, tout est destiné. Par contre, vous seul avez le libre arbitre d'y aller ou pas. C'est en ça que ça vous différencie des dieux, les hommes. Je parle comme si j'étais une grande prêtresse. Vous, chers humains qui m'écoutez, vous savez très bien que ce qui différencie l'invisible du visible, c'est votre libre arbitre. Vous avez le droit de faire ou de ne pas faire. Choisir, c'est renoncer. Renoncer, c'est choisir. À vous de faire le premier pas. Ah bah dis donc, elle est caustique, cette guidance, elle est mystique. Pourquoi je dis caustique? Oui, parce qu'on joue avec les éléments, on en rigole, et il n'y a rien de grave, et c'est OK. Voilà le tarot que je voulais vous présenter. Le tarot du c'était mieux avant. Les images, vous savez, des années 50, un peu américaines. Voilà. Alors, je vais vous dire, pour la petite histoire, vite fait, pourquoi je l'ai acquis. Parce que j'en ai marre des gens. J'en ai marre. Non, j'en ai pas marre, mais j'entends souvent des gens. Oui, c'était mieux avant. Mais non, c'était juste différent. C'était pas mieux avant. Les femmes avaient encore moins de droits qu'aujourd'hui. L'IVG, le droit de vote. Arrêtez vos conneries. Il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. On a évolué, on a grandi, on a beaucoup de problèmes dans notre société aujourd'hui, mais les problèmes d'aujourd'hui, on ne les aurait pas eu en 50, et en 50, vous voyez, c'était différent, oui, mais c'était pas mieux avant. Sauf pour la chanson. Ah, moi aussi, je suis vilaine. Je fais beaucoup d'humour et je joue avec les mots pour apaiser des mots. MOTS, MAUX. Allez, on va mettre deux cartes pour essayer d'aller un petit peu pêcher, plus glaner plus d'informations que ça. Il est beau votre tirage, hein? Il est mystique, hein? Il est mystique et drôle. Et moi, je crois que faut se réveiller. Vous avez le droit de faire marcher votre intuition. Écoutez-la un petit peu. Si vous êtes trompé, c'est qu'il faut réfléchir différemment. Et si vous pensiez vous êtes trompé, peut-être qu'un jour vous aviez eu raison de vous tromper parce qu'au final vous étiez dans le vrai. Ah ouais, je sais, hein, ça fait, c'est une perturbation intellectuelle, les jeux de cartes. Hein. L'intuition, l'interprétation surtout. Si on ne se fait pas confiance, on est foutu. Hein. Elle voulait venir? Moi, je sais pas. Allez. Ah, le 4 d'épée. Le 4 d'épée, en fait, c'est fermer les yeux, mettre du concombre sur le visage, se poser, réfléchir, observer dans sa tête, ne pas prendre de décision. Dans le tarot de Villeneuve, elle est bien représentée. C'est une femme avec quatre épées autour d'elle et un feu sacré devant elle. Ben là, vous avez quatre couteaux dans la cuisine, vous avez plein d'ingrédients, vous fermez les yeux. Alors, dans la vraie vie, vous ne faites pas ça, hein, sinon vous allez vous retrouver aux urgences. Quoique, si vous cherchez Brandon et qu'il est médecin, pourquoi pas. Mais blague à part, on est indécis, on se pose, on ferme les yeux, on écoute ce qui vient, ce qu'on ressent dans son corps, dans sa tête, on laisse passer une émotion. S'il y a un problème, quoi que ce soit, ben, il y a des émotions, on pleure, on rit, on analyse pourquoi, ou pas, on n'analyse pas des fois, hein, on laisse passer, on ne réfléchit pas, on se pose, on se structure, on est dans sa tête, on se demande pourquoi on a pris cette décision plutôt qu'une autre, et on voit si c'est bon ou pas dans la matière. Très très belle carte. 4 d'épée, c'est du mental, vous êtes signe d'eau qui peut piquer. Donc c'est vrai que ça vous permet. Vous devez cheminer fort au niveau. Ça doit y aller hein, au niveau de la cheminée intellectuelle. Vous devez carburer. Hein. Je pense qu'ici, il n'y a pas des sereins. Il y a des gens qui carburent au niveau intellect. Hein. Vous aimez comprendre, vous êtes jusqu'au boutiste. Vous êtes pulsion-répulsion. Vous êtes. Le moi n'est pas maître dans sa propre maison, disait mon maître Freud. Hein. Allez. Ça suffit. Oh, il est bien, mais il glisse. Hein. Allez, une carte des années 50. Et on a le 8 de bâton. Génial, génial, c'est rapide. Ah, et l'empereur. Allez, on prend sa place. Bon, ça va matcher. Hein. Je me pose, je réfléchis, j'analyse, je vois ce qui vient, je me concentre, je fais émerger un talent, une capacité que j'ai, je l'accepte, je dis OK, je lâche prise et ça viendra. Et plus je travaillerai et plus ça deviendra un talent. Et le 8 d'épée, et le 8 d'épée. Et le 8 de bâton, il dit,
Tu prends tous tes balais, tes serpillères et tu te casses avec ça. Hein? Allez, tu y vas. C'est quelque chose de rapide, le 8 de bâton. C'est des décisions, c'est une boucle, c'est un karma, c'est un peu comme le chariot des fois. On s'envole, mais on sait où on va, on prend enfin une direction, le moteur est allumé, allez, go! Le 8 de bâton, c'est une carte effectivement qui. Donc je l'ai dit, hein, je me répète, c'est rapide, il y a de l'action. Il y a de l'action à mettre rapidement en place. Une fois que vous aurez compris ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez travailler et ne pas travailler, la roue de fortune et le denier, c'est une direction à prendre pour mettre ses efforts au bon endroit, au bon moment, et arrêter les trucs qui ne marchent pas, qui vous gonflent. Revenez à la source, apprenez, comprenez, travaillez, faites une formation. J'ai donné plein d'exemples au début, hein. Mais on est là-dedans, d'accord? Et l'empereur à la fin, c'est génial. Oh, l'empereur et l'impératrice! Il y a le couple là, il y a le couple. Alors soit c'est vous qui incarnez l'homme et la femme, vos énergies sont bien équilibrées, mais l'empereur, c'est le gars, il a un empire, il délègue, il regarde un peu de son socle. Vous savez, c'est Jules César hein, qui regarde en haut des gradins de la reine. Lui, il n'a pas peur, le gars. Il a de la hauteur, il a de l'expérience, il n'a plus besoin de se battre. C'est un peu le gars qui a investi, qui a des millions aujourd'hui, qui fait travailler les autres. Il a donné, mais il a cravaché pour ça. Il a appris lui aussi, il a été jeune. Il y a des gens ici qui sont censés réussir en vieillissant, en maturant, pas d'âge, hein, mais en maturant, pour pouvoir ensuite s'asseoir et prendre position sur leur empire. Et même si c'est un empire tout petit, le cabinet, il vous appartient. Vous voyez ce que je veux dire? C'est super bien. Je mets des bâtonnets pour voir si on est dans les clous. Et après, je passe au tirage sentimental. Bon, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, les stoïciens. Moi, ça, j'aime beaucoup. Alors, le stoïcien, à la différence de l'épicurien, c'est que lui, il est à la recherche du bonheur intérieur par la sagesse et la vertu. La vertu de l'amour, la vertu de la simplicité, de l'humilité. Pas besoin d'en faire des caisses. Pour être connu et reconnu, reconnaissez-vous déjà vous-même et vous verrez que vous attirerez ce que vous raisonnez. Donc le stoïcien, c'est la capacité à chercher, par la vertu donc, et la sagesse, chercher le bonheur intérieur. Par des petits mantras, l'épicurien, lui, il a le bonheur avec le sauciflard et le bon vin. Hein? L'épicurien, lui, il aime profiter des plaisirs de la vie, le bonheur vient de l'extérieur. Le stoïcien, le bonheur, il vient déjà en soi, de soi, de l'intérieur. Ça, c'est classe. Ensuite, demandez-vous pourquoi. Eh bien, demandez-vous pourquoi vous êtes passé par tout ce chemin-là. Vous pourriez même écrire un livre pour certains, parce que je pense que c'est assez important ce que vous avez vécu. Votre expérience, elle est nominative. Vous pouvez la nommer aujourd'hui. Vous avez vécu des choses faciles ou pas faciles, je ne sais pas, mais vous n'avez pas un destin typique. On veut quelque chose de typique. C'est Kaamelott, ça, je kiffe. Je kiffe l'autodérision malgré les choses un peu sérieuses. Bah, j'aime beaucoup, c'est ma façon de faire. Demandez-vous pourquoi vous avez vécu tout ça et qu'est-ce que vous pouvez en faire aujourd'hui. Alors là, il y a une histoire d'enfant. Quels étaient vos rêves étant enfant ou est-ce que ça concerne des enfants? Est-ce que vous êtes bon pour travailler avec des enfants alors que vous ne les supportiez pas? Je sais pas. C'était vous enfant ou c'est est-ce que ça inclut des enfants aujourd'hui? Je ne sais pas. Jouer avec les enfants, je ne sais pas. Et on a les hommes. Alors, vous êtes un homme ou une femme, mais en tout cas, l'homme avec un grand H aussi, hein. Les hommes, on aime les hommes, vous aimez les humains, vous aimez les enfants, vous êtes attaché à quelque chose d'un point de vue infantile. Alors, si vous créez des choses, ben, faites des choses pour les enfants, des jeux, vous voyez, moi, ce que je fais, c'est pour rigoler, mais tout ça, bon, pas avec ces mots-là, hein, mais je crée beaucoup d'outils par rapport aux enfants que je reçois dans mon cabinet, dans mon boulot, d'accord? Et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est la créativité et par le jeu que je m'exprime. Vous avez compris? C'est la classe à Dallas. Pour ceux qui restent, on va au sentimental. Pour ceux qui s'en vont, je vous fais une grosse bise. Seul vous savez de quoi ça parle, mais c'est quand même assez important. Je trouve quand même que c'est très très beau. Ça nous parle de belles choses. Ça nous parle de s'écouter, de se faire confiance, se lâcher les baskets, en avoir rien à foutre du regard des autres et y aller parce qu'on n'a qu'une vie et on n'aura pas l'occasion deux fois de la recommencer, du moins sur Terre. Donc éclatez-vous. Allez, emballé, c'est pesé. Allez, Scorpion, on y va. On n'a pas de temps, ça dure trois plombes, tous mes tirages, j'en peux plus de moi. Allez, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes là, d'accord? Allez, que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Un homme et une femme, je ne sais pas, bon, il y a un film, non, qui s'appelait comme ça, un homme et une femme. Ah, oh, c'est un film, c'est pas Claudine Serrault, non. Ah, oh, je sais plus, il y a un vieux film français des années 50-60, hein, ou 70 peut-être, un homme et une femme, c'est pas Lelouch, Colline Serrault, non, ah, oh, je sais pas,
Bon, bref, ça vous parle, vous me direz, hein, moi je sais pas tout, hein. La sagesse de ne rien savoir, j'adore ça, moi. 1, 2, 3. Ah, tu veux venir? Allez. Ah, bon, le nuage. Ok, ça pourrait être plus ensoleillé. Pour l'instant, c'est un peu nuageux parce qu'on ne sait pas où on met les pieds dans sa vie privée, peut-être aussi. Hein. Ça fait beaucoup de choses, tout ça, pour vous, les scorpions. Votre anniversaire, c'est nuageux, là. Hein, donc les nuages, ben, ils passent les nuages, hein, tout passe, hein, d'accord? Mais là, les scorpions, il y a un truc à dégrossir, il faut comprendre là. Alors, consultant, consultante, vous êtes un peu dans le passé, vous regardez en arrière, pourtant il y a une maison, il y a des fleurs, il y a des invitations, il y a des bouquets, elle est fleurie votre baraque, super, ouais, double lys et la croix. Bon, ok. En cette période de Toussaint, il y a... Oh, mais c'est terrible parce que je l'ai déjà dit à quelqu'un d'autre avant. Bon, on va pas se mentir. Je le dis, ça concerne pas tout le monde. Vous commencez pas à flipper. Il y a des gens ici qui vont aller mettre des chrysanthèmes sur la tombe d'une personne qu'ils ont perdue, que d'un point de vue émotionnel, sentimental. Donc, je peux m'adresser ici à des gens qui sont veufs ou veuves. D'accord? Ça peut. Le lys et la croix, c'est aussi quelque chose de noble et de pur par rapport à la fin d'une situation. Vous voyez, je reviens un peu à la raison aussi. Il y a quelque chose. Ouais, ça peut être aussi un mariage, hein. Parce que l'église, la croix, la foi, le lys, des belles fleurs de pureté, de royauté, de noblesse. Les invitations, le bouquet. Là, ah, il y a une demande. Mais oui, quelle est banane. Alors, il y a plusieurs groupes, hein, d'accord? Donc, il y a le groupe des veufs et des veuves qui sont encore dans le passé, qui effectivement ont du mal à passer à autre chose, et c'est pour ça qu'ils sont un peu nuageux et brouillés. En même temps, c'est le 1er novembre, hein, c'est la palissade, hein. Donc, c'est normal que c'est une période qui peut être difficile pour les gens qui vont se recueillir sur la tombe de leur défunt, mari ou femme. Mais pour autant, ici, il y a de très belles fondations aussi, pour une autre partie d'entre vous, il y a une demande de mariage qui arrive. Ça y est, c'est parti, mon kiki. Il ou elle fait sa demande et pendant cette saison, novembre, voire décembre, hein, fin d'année, peut-être pourquoi pas, hein, des demandes de mariage pour Noël, je trouve ça adorable, j'adore, je trouve ça très en décalage, mais je kiffe. Donc il y a des demandes en mariage pour certaines d'entre vous en cette fin d'année 2024, c'est une évidence et j'espère que vous aurez bien évidemment envie de dire oui à cette demande-là. C'est plutôt pas mal, d'accord? Pour les célibataires comme personne, bah écoutez, il y a des invitations. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un à un mariage, vous, pour le coup. Parce que vous allez être près de lui ou de la mariée. Il y a un truc comme ça. Il y a une invitation, il y a un événement religieux. Alors, des fois, il y a des gens, ils rencontrent leur âme sœur à un enterrement. Oui, ça arrive aussi. Mais je veux dire par là qu'il y a des célibataires, si vous cherchez l'amour, vous êtes encore englué dans votre passé, alors qu'on vous dit que présentement, il faut garder la foi parce que lors d'une occasion un petit peu spéciale, un peu qui va bien, vous aurez l'occasion effectivement de rencontrer quelqu'un. Et ça peut même être quelqu'un proche de membres de votre famille, amis, proches, etc. Parce que là, c'est votre maison, c'est votre partie à vous, là. D'accord? Alors, on a le nuage, on va aller plus loin. Bon, il y a du stress. Ben oui, ça provoque du stress tout ça. C'est pas facile. On est stressé par une situation. La ruse. Alors là, le renard, c'est le côté, le passé. Dans le passé, vous avez peut-être été désabusé, divorcé. Vous avez déjà connu hein, tout ça. Donc ça peut vous faire peur. Si vous n'avez pas été divorcé, ben, vous avez connu des histoires d'amour. Les histoires d'amour finissent mal en général. Bref, vous avez compris. Le passé vous a vraiment un petit peu refroidi. Et du coup, ben, remettre la cuillère, remettre la casquette, remettre le couvert. Ah, Audrey, elle est naze. Remettre le couvert, ça vous fait un peu flipper, mais écoutez, laissez-vous porter, on n'a qu'une vie, donc faites-le au mieux. Si c'est la bonne personne et que votre intuition vous dit que c'est OK, achetez une belle robe, un beau costume et faites-vous plaisir, on ne vit qu'une fois. Et puis écoutez, aujourd'hui, nos mœurs ont évolué, vous ne serez pas pendu sur la place publique parce que vous divorcez. OK. Nouveau voyage, hein, migration, nouveau départ, renouveau, c'est reparti mon kiki avec quelqu'un qui vient vous chercher, le cavalier, c'est abondant, on récolte, c'est la moisson, et c'est l'amour! Et c'est l'amour qui me laisse signe. Bon, bref, c'est l'amour, c'est l'amour. Ah, c'est Léopold et vous là. C'est l'amour, mour, mour, qu'est-ce? Bon, bref, allez, on va mettre des breloques pour essayer de comprendre d'où ça vient tout ça. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Oh, qu'est-ce que je fais là? Bon, beaucoup de lettres. Il y a le B, il y a le H, il y a le K,
Il y a le C, il y a le V, il y a le H. Ah, il y a peut-être des gens qui vont rencontrer quelqu'un dans les ressources humaines, le CV. Le Kir, allez, on fait ça. L'homme, H. Ou alors c'est Henri. Je me présente, je m'appelle Henri. Bon, bref, le B, Bruno, Brice, Bernard. Je ne sais pas. Bonjour, j'en sais rien. Et puis, on a... Oh, j'avais pas vu le X. Hé, hey, invitation X, yes. Alors, bien évidemment, hein, si vous aimez les sites de rencontres et que c'est juste pour une nuit, ça passe aussi. Hein, vous avez le droit hein, de choisir la personne avec qui vous avez envie de passer une bonne soirée. Ça peut commencer par une nuit, puis ça peut finir par la vie, hein, pourquoi pas. Et on a une magnifique lune bleue, une lune mercurienne associée pardon, à l'étoile, à l'espoir. La lune bleue, c'est je lui dirai les mots bleus. C'est Christophe qui chantait ça. Donc, pour ceux qui sont nés à... Ils sont nés après 2000, ils vont pas trop savoir de quoi je parle. Mais les mots bleus, donc voilà, les mots bleus, la nuit bleue, les lunes bleues, c'est magnifique. C'est des lunes très spirituelles, c'est des lunes qui sont très intellectualisées, qui sont proches de la terre. On le ressent, on sent que ça arrive. Hein. Vous avez une intelligence émotionnelle et intellectuelle qui est quand même hyper présente, avec une petite étoile, avec une notion d'espoir, d'avenir, d'être guidé par le destin, de lever les yeux en l'air et de dire ça y est, c'est pour moi, il est l'heure. Donc là, je trouve que le tirage est plutôt joli, joli, joli. Et une petite phrase de mon oracle quotidien, parce que quitte à dépasser, autant y aller. Allez, une petite phrase dans cette situation de mon oracle que je trouve assez rigolo, parce que ça match. Si ça vous parle, je suis contente. Je vous l'offre, allez, c'est pour moi. Cherche encore et tu trouveras la femme qui dort. C'est Céline Dion, ça aussi. Cherche encore, allez écouter les paroles, peut-être qu'à l'intérieur vous aurez des infos si vous êtes en pleine enquête émotionnelle. Cherche et tu trouveras. Eh ben, tu cherches ta foi, tu cherches ton chemin, tu cherches monsieur ou madame et tu trouveras. Parce qu'à force de chercher, c'est la probabilité, c'est scientifique. Hein. À force de chercher, tu vas bien trouver. Moi j'aime bien à dire. Creuse encore, NC4, tu vas trouver du pétrole. Vous le prenez comme vous voulez. Je vous embrasse bien fort. Vous prenez bien soin de vous avant de prendre soin des autres. Merci pour vos likes, vos commentaires, ma chaîne, l'algorithme de YouTube. C'est grâce à vous que ça perdure. Les dons aussi sur PayPal, c'est super gentil dans le donner et recevoir. Même 1 euro, j'avoue que ça me fait sourire. J'aime bien, c'est pour le fun que je le fais parce que voilà, on est tous. À l'époque, il y avait le troc hein, et un poulet contre de la lavande, ça marchait aussi. Hein. Donc je vous aime surtout bien fort. Et puis, activez la cloche de notification pour ne pas louper les vidéos que je fais entre chaque mois. Je vous aime fort les scorpions. Salut!